Au siège du commandement des forces navales à l'Amirauté, le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration et à l'inspection de ce bâtiment de guerre doté de dernières technologies les plus sophistiquées dans le domaine de la marine militaire. Ce bâtiment est capable d'opérer et d'intervenir dans un large rayon d'action pour mener des missions polyvalentes. Le général de corps d'armée a visité ensuite ces différents compartiments. Des explications relatives à ses composantes et ses caractéristiques lui ont été fournies. Ensuite, le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, s'est adressé à l'équipage du bâtiment en mettant l'accent sur les efforts consentis par l'ANP afin de développer et moderniser nos forces navales. C'est dans ce contexte précisément et en application des orientations de Son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, que le haut commandement de l'Armée nationale populaire a œuvré ces dernières années pour permettre à l'Armée nationale populaire d'être au diapason des évolutions enregistrées dans le domaine d'acquisition des facteurs de puissance et de réussite. Et il est certain que cette réalisation et une valeur ajoutée de qualité imposée par notre stratégie tendant à atteindre une cohérence et une synergie considérable entre les démarches d'acquérir un matériel moderne et sophistiqué et la formation et la préparation du facteur humain habile et capable de maîtriser les nouvelles technologies et d'optimiser l'emploi des matériels et équipements de la manœuvre correcte requise. À l'issue, le général de corps d'armée a donné des orientations au commandement et à l'ensemble de l'équipage de la corvette, les incitant à la grande veille de sa maintenance continue afin de préserver sa disponibilité opérationnelle au plus haut niveau. اللي فات 45 ألف شهيد من أجل هذا الوطن هذا الغالي اللي وصلوه وهذه تكون عندكم أمانة بين يديكم.